Mais en fait, non, je suis toujours en live. Road to Guandang. Je sais pas ce que c'est comme jeu, je ne sais pas si je vais rester dessus. Je donne sa chance. Il est en français déjà, c'est étonnant. C'est vraiment étonnant. Ça m'a intrigué comme jeu, pour tout dire. Ça m'a intrigué, je me suis dit, c'est quoi, ça a l'air vraiment bizarre comme jeu. Mais je ne le sens pas. En tout cas, c'est joli. D'accord, il n'y a pas de. Ah, si, ça y est. Ah, on y est. Qu'est-ce que c'est que cet endroit Gouma? C'est l'ancien entrepôt de ton baba. Depuis qu'il est. Après accident, j'ai déplacé la part de leurs affaires du restaurant ici. Pourquoi sommes-nous ici? Il n'y a pas le choix. Nous devons récupérer Sandy. Je croyais que Baba avait vendu Sandy il y a quelques années. C'est ce qu'on a dit à tout le monde, mais ton Baba et moi ne pouvions pas la vendre. Pourquoi Sandy était-elle si spéciale pour toi et Baba? Ton Baba et moi, on l'utilisait pour trouver de la bonne nourriture, de nouvelles recettes. On a vécu pas mal d'aventures tous les deux avec Sandy. Ce serait bien de faire sortir Sandy après ce qui est arrivé. Seulement Baba pouvait voir avec Sandy. Bon moyen de te souvenir de tes parents. Bon, as-tu ton permis de conduire? Oui. Bien. Tiens, voilà les clés, j'aimerais que tu t'occupes de Sandy. Quand ton Baba a repris. Mais pourquoi il a écrit Baba? Bref, le restaurant, il avait Sandy. Non, ça va. Mais. Aya, dépêche-toi d'accepter qu'on parte au restaurant. Merci beaucoup. Les clés de la voiture. C'est parti. Attends, tu dois d'abord mettre de l'essence et ajouter de l'huile à Sandy. L'huile, c'est là, hein. Bien, elle est prête pour la route. Avant que j'oublie, je dois savoir deux choses. Tu peux appuyer sur pause et le menu gameplay, tu as compris. Compris. C'est parti. Moins le moteur fait de bruit, moins Sandy consomme d'essence. D'accord, c'est vraiment le genre de jeu où tu dois tout doubler. J'ai démarré la voiture. Voyons du. Ah, je vois un qui en face, moi. C'est-à-dire qu'elle manque d'eau, la voiture. Consomme beaucoup, hein. N'a pas roulé tant que ça. Ouais, cet endroit n'a pas changé. J'ai l'impression que Baba va sortir de la cuisine avec de la nourriture. Je sais, c'est dur de revenir après ce qui est arrivé. Tes parents voudraient que tu avances et Gouma va t'aider. Je me sens perdu. Tu peux me parler. Tu sais que parfois je suis impatiente, mais je serai toujours là pour toi.
Tes parents savaient que tu t'en sortais, c'est pour ça que je suis là. Asseyons-nous, je t'explique. Sonny, ton baba avait fait un testament. Il t'a tout donné, même le restaurant. Waouh! Il sera plus tard comment gérer tout ça. Pour l'instant, nous devons aller voir tous les membres de la famille pour obtenir la bénédiction. Mais on les a vus aux obsèques de Baba et Mama. Ce n'était pas un endroit pour parler de ça. Je dois continuer ma vie à Hong Kong. Je sais que tu as travaillé dur pour obtenir ton diplôme en art et que tu as des plans en carrière. L'accident de tes parents est arrivé si soudainement et les changements qui en découlent seront... Ben, ça va arriver d'un coup quoi. Occupons-nous d'abord de ces changements, d'accord? Tu penseras à notre avenir plus tard. Ce restaurant est dans la famille depuis que Gung Gung l'a ouvert dans sa jeunesse. Ton père et moi, nous avons grandi en travaillant ici. Maman aussi a travaillé ici? Oui. Quand le restaurant a ouvert, Mama s'occupait de la cuisine. Elle a arrêté à la naissance de Suksei. À l'époque, on travaillait à temps plein avec ton père. Maman était Gung Gung. Il travaillait dur. Quand Gung Gung est mort, ton père a hérité du restaurant car c'était le fils. Ça n'a pas été facile pour lui et tout le monde n'était pas d'accord avec ses choix. Mais c'est toi l'aîné. Gung Gung n'a pas eu son mot à dire et suivre les traditions était très important pour la famille. C'était une fille quoi. Il pensait que j'allais me marier et il ne voulait pas que le restaurant sorte de la famille. C'est idiot. Café Baba. C'était un bon cuisinier mais il aimait prendre des risques. Une ou deux fois, son insouciance a manqué de faire fermer le restaurant. Baba et moi ont formé une bonne équipe. J'ai l'impression que ça dénonce un peu des choses en Chine. Je pense que c'est un jeu qui a été créé en Chine. Il devrait être à toi. La mère de Suzuki n'a jamais prise pour le restaurant. Gemma est vieille. Toi, tu pourras lui donner un second souffle et de nouvelles idées. Le restaurant a besoin de changement pour s'améliorer. Ce serait sympa de passer plus de temps avec la famille. Tu n'as pas souvent rentré chez toi à l'université. Je me souviens quand tu as fait une vidéo, c'était génial. Tu as raté les 4 derniers. Tant que ça. Tu devrais inviter tout le monde quand il y a une nouvelle direction. Tu peux tenter d'appliquer ce que tu as appris pour mieux rester à ce tour. Que dois-je faire? Avec ma touche personnelle. Ça pardonne beaucoup. Ça, je suis un peu de l'autre côté pour être plus simple. Ok. Ah oui, d'accord, je peux pas jouer. Là, il faut amener le véhicule chez le mécanicien. C'est vrai, il faut la débarquer là. Moi, je sais où est le mécanisme. Donne-toi sur la route. La bagnole, je vais faire la bagnole prendre feu. Non, j'arrête. Je sais pas que ça fait. Fait que c'est comme un taré. C'est débile, tu peux pas accélérer de manière analogique. Soit t'accélères à fond, soit t'accélères pas. C'est paradoxal pour un jeu où tu. Ah, c'est vrai le garage. On fait marche arrière. Je fais marcher, je regarde même pas derrière moi tellement la route est vide. Que puis-je faire pour vous aider? La voiture a besoin de réparation. Si vous avez qu'est-ce que je fais plutôt un miracle. Non, faut qu'elle fonctionne. Moi, Sandy, pardonnez-moi, Madame Tong, je vous avais pas reconnu. J'avais pas reconnu Sandy non plus. Elle était souvent là dans mon enfance. Pardon, Madame Tong. Je
étiez parmi les meilleurs clients de mon père. Ça faisait longtemps. Je ne pensais plus jamais voir Sandy. Il était toujours gentil avec moi quand j'étais petit. Toutes mes condoléances pour l'accident de vos pères. Alors, hop, détectons. Vous pensez qu'il peut être réparé? Oui. Non, on peut encore la réparer. Emmenons Sandy dans l'atelier pour que je puisse l'examiner. Ok, je vais examiner. Vous verrez mes reconversions et vous pourrez choisir ce que vous voulez réparer. C'est comme ça que prenez les mécanismes. Attendez, nous avons un budget limité. Ne vous inquiétez pas, plusieurs pièces en stock. Ok, ça a l'air sympa. Hop. Filtre à air. La roue. Bon, en vrai, ça va. Le moteur. L'essence. C'est ça qu'il faut. Alimente le ventilateur qui rafraîchit le radiateur. Mal fixé, cela augmente la température du radiateur. Exactement ça qu'il faut que je répare. Ça, on s'en fout un peu. Tout le moteur, c'est chaud. Je sens que si je répare pas les roues, je vais juste faire exploser. Tu crois qu'il faut que je répare ça aussi? $190. C'est pas comme si on pouvait faire autre chose avec la thune. Pas trop vite. Elle est vieille. J'avais la consommation d'huile. Okay. Lui, il a dit qu'elle est prête pour la route. Ok, donc sur la carte, je dois aller à deux endroits. Ouais, c'est vraiment un chien. J'ai oublié d'aller au travail. J'ai oublié d'aller à Foshan en fait. Peut-être que dans la version complète on peut choisir, mais là j'ai pas le choix. Sûr que je suis au bon endroit. Mais l'équipe de refroidissement, j'ai changé la putain de courroie de refroidissement et le truc continue de chauffer. Alors j'ai que ça à faire que de surveiller ma vitesse. Se refroidir un peu. Certes, d'un coup, il frôle.
J'ai la moitié de l'essence. Je vais avoir un bouton pour venir. Ouais, mais la voiture c'est un trou, elle peut pas consommer autant. Température, ça va quoi. Convaincu, mais genre pas du tout quoi. Convaincu sur 20. Oh, j'avais pas d'essence dans ton putain de truc, dans ton putain de bled qui avait deux stations d'essence, ta voiture qui fait 10 000 km. Moi je m'arrête là. J'aime bien la direction artistique du jeu, mais le principe même il est vraiment pas terrible quoi. Enfin, je comprends pas. Voilà. Bon, sur ce, moi je vous laisse, mais à tous les otaku, merci de m'avoir suivi et à bientôt sur otakugame.fr. Ciao, bye bye.